et en même temps qui est là déjà pour nous interpeller, nous rappeler. La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, la vie sur Terre est-elle unique Bonjour à toutes et à tous. Pour cette émission un peu particulière, nous sommes en direct au Théâtre de la Ville à Paris, en direct mais pas en public. Règles sanitaires obligent, en compagnie quand même et heureusement du grand camarade Léon Bonafé, que je salue et que je suis bien content de retrouver à cette table. Sa mission est capitale, elle est même essentielle par les temps qui courent. Elle consiste, et ce sont ses propres mots que je répète là, elle consiste à déconfiner nos neurones en les propulsant à travers la stratosphère à l'aide de trampolines poétiques certifiées élastiques, caustiques, rythmiques, amphigouriques, athlétiques et absurditiques d'avantage de précision sur tout ce que cela peut bien vouloir dire, nous serons peut-être donnés par la suite et par Léon lui-même. Combat, vous le savez, c'est le nom donné à un cycle de dix week-ends d'émissions de France Culture, de débats et de lectures, ici au théâtre de la ville, autour de grandes questions d'actualité. Notre question du jour est une question très brève, mais de portée à la fois existentielle et cosmologique. La vie sur Terre est-elle unique? En 1946, le physicien Erwin Schrödinger, qui en avait sans doute assez de ces histoires de chats oscillant entre la vie et la mort, publiait Qu'est-ce que la vie? Un ouvrage très original dont on répète à l'envie qu'il a donné à la biologie moléculaire son impulsion initiale, son Big Bang académique, si vous préférez. Il y montrait en effet que le niveau moléculaire, aussi petit soit-il, doit être considéré comme le niveau pertinent d'analyse de l'organisation de l'hérédité. Dès la première page de son livre, il posait ce qui semble être la bonne question. Comment peut-on expliquer, écrit-il, comment peut-on expliquer à l'aide de la physique et de la chimie les événements qui se produisent dans l'espace et dans le temps à l'intérieur des limites spatiales d'un être vivant Il proposa aussitôt une réponse plutôt optimiste. L'incapacité évidente de la physique et de la chimie actuelle, dit-il, à rendre compte de pareils événements n'est nullement une raison pour douter de la possibilité pour ces deux sciences d'en donner un jour l'explication. Fin de citation. Nous allons nous demander où nous en sommes aujourd'hui, trois quarts de siècle plus tard. Pour ce faire, nous allons poser la même question que Schrödinger, mais en la déclinant par le biais d'un triple détour, en la coupant en trois morceaux. Première question, la Terre est-elle unique Deuxième question, la vie est-elle unique Troisième question, en forme de synthèse si possible triomphale, la vie sur Terre est-elle unique et pour répondre à ces trois questions l'une après l'autre, j'ai invité Jean-Pierre Bibring. Bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicien à l'Institut d'astrophysique spatiale d'Orsay. Vous êtes intervenu sur différents programmes spatiaux de premier plan. Notamment la mission Cassini Huygens qui a étudié Saturne et ses satellites. Les missions Vénus Express, Mars Express, Midnight Express. Ah non, ça c'était pas vous. Mmh. Bref, vous connaissez le système solaire comme votre poche. D'autant que vous avez été le responsable scientifique de l'atterrisseur Philae, qui s'est posé en décembre 2014 sur la comète Chury, une espèce de caillou poreux. C'était la fameuse mission Rosetta. Je vous avais, avais d'ailleurs reçu à cette époque pour que vous nous racontiez comment vous avez vécu l'atterrissage de Philae. Grâce, enfin, en vous regardant, euh, Jean-Pierre Babelon, j'ai l'impression de, de voir Einstein lui-même, tellement la la ressemblance est frappante, on vous l'a déjà dite, mais je la répète quand même. Et avant que nous commencions notre conversation, je voudrais dédier cette émission à la mémoire vive de Nelly Kaplan, dont les, les auditrices et les auditeurs de France Culture connaissaient bien la voix, puisqu'elle a souvent participé au papou dans la tête. Nelly Kaplan, amie délicieuse à la malice ravageuse, est morte ce 12 novembre à Genève de la Covid-19. Son roman intitulé Ils furent une étrange comète. N'était pas sans rapport avec notre sujet d'aujourd'hui. Elle y posait la question de savoir si, quand on meurt, c'est pour la vie. Alors, euh, notre conversation de ce jour doit être entendue comme une sorte d'hommage que nous lui adressons. Alors, Jean-Pierre Bibring, je, je, je vous ai présenté comme étant un des pères de la mission Rosetta. Est-ce que cette mission vous a appris euh, des choses très importantes et est-ce que vous avez obtenu des résultats qui vous ont surpris de Deux mots, oui, bien sûr. Euh... D'abord, cette aventure a été absolument incroyable pour les gens qui ont contribué, scientifiques, les techniciens, les ingénieurs. Euh, se poser sur une comète, c'était une aventure de 30 ans, et y parvenir, sachant que c'est l'objet probablement le plus ancien qu'on aura jamais étudié jusqu'à aujourd'hui, c'était fondamental. D'un point de vue scientifique, c'est vrai que avoir la capacité d'analyser le matériau. Euh, qui était peut-être là avant même que les planètes ne se forment et qui a contribué à la formation et à l'évolution des mondes planétaires, c'était un enjeu et une ambition extraordinaire. On n'a pas, bien sûr, euh, entièrement caractérisé ce matériau, mais il y, y a deux grands paquets de résultats, je crois, qui sont très importants. D'une part, euh, les comètes ne sont pas ce qu'on imaginait avant, essentiellement un grand réservoir d'eau avec des petites molécules qui sont bloquées dedans. Euh, la première grande euh, découverte qui a été faite depuis Rosetta avec Philae, c'est que l'eau n'est qu'un constituant mineur finalement de ces objets-là. Et l'essentiel du matériau, ce sont des grains, mais des grains surtout faits de carbone. Ce sont des macromolécules, des polymères de très grande complexité. On n'a pas encore analysé toute cette complexité mais qui nous ont dit une chose importante c'est que euh, entre le matériau formé avant même que le système solaire ne se forme et l'ensemble de l'évolution après il y a réellement un continuum ce continuum il a pris racine dans l'évolution du nuage et du disque qui a donné naissance à l'étoile et aux objets planétaires et euh, la deuxième chose importante, c'est que cette évolution, elle est faite d'un grand nombre de contingences, c'est-à-dire que tout nuage qui s'effondre ne va pas nécessairement donner les mêmes résultats en termes de grains cométaires, précisément de grains carbonés. Beaucoup de phénomènes sont intervenus pour modifier suffisamment ce matériau pour qu'une fois ensemencé dans des océans terrestres auxquels eux-mêmes ont contribué, d'ailleurs la formation desquels ils ont contribué, ils permettent une évolution très singulière qui est celle de ce qu'on appelle la vie sur Terre. Est-ce que vous avez pu résoudre la question de savoir s'il y a des grottes sur cette comète? C'est un problème de sémantique de ce qu'on appelle une grotte, mais la chose importante, c'est que c'est un matériau incroyablement poreux. Ça, c'est vrai. La densité de ce matériau est deux fois plus faible que celle de la glace, qui n'est pas grand chose. Et pourtant, quand vous avez un de ces grains dans la main, si je puis dire, ce sont des grains qui apparaissent solides. Donc, c'est un matériau qui est fait de mini grottes à toute échelle. Mais l'important, c'est qu'à nouveau, non pas qu'il y a des vides entre les grains, c'est que les grains eux-mêmes sont des résidus d'une évolution qui a porté ses traces jusqu'à aujourd'hui dans le système solaire. Jean-Pierre Bering va en venir à notre question du jour. Comment euh, euh, concevoir la Terre Est-ce que c'est une planète banale Chacun d'entre nous a compris un jour, en s'en émerveillant, que sa propre vie est un moment d'une longue histoire, une histoire continue, sans intermittence, une histoire qui a commencé sans lui et qui se poursuivra sans lui. Et dans ce long lignage, il y a de la nécessité, mais aussi du hasard, de la contingence. Vous venez de prononcer le mot de l'imprévisible, et on va essayer ensemble de démêler tout cela. Alors est-ce que euh, la, la Terre a des propriétés qu'on retrouve ailleurs ou est-ce qu'elle a des spécificités qu'on peut déjà affirmer comme étant euh, uniques Je pense qu'une grande partie de, des réponses sont dans la question. Vous voyez, cette question de savoir si la Terre est unique, s'il y a de la Terre ailleurs, etc., ce n'est pas tant la réponse qui a évolué que la question elle-même. Euh, de quoi parle-t-on quand on parle de la Terre Si la Terre, c'est un objet qui tourne autour d'une étoile, il y en a de partout, on le sait maintenant. Il y a autant de planètes et peut-être plus que d'étoiles dans la galaxie et dans l'univers. Si ensuite on cherche à caractériser la Terre essentiellement par sa taille, sa distance à l'étoile, distance au Soleil dans notre cas, peut-être qu'il y en a qui ont des tailles semblables, si jamais exactement les mêmes, et, euh, et des distances semblables. Et pendant très longtemps, on a pensé que ça suffisait à caractériser un objet comme la terre et que de son évolution pour l'essentiel pouvait Et être en fait de... son mouvement, sa masse Oui, voilà, ça sa taille. dynamique, sa dynamique au premier sens du terme, sa taille, le fait qu'elle tourne autour d'une étoile, on sait bien que ça n'a pas de sens de dire qu'elle tourne, mais enfin bref, qu'elle est dans le champ d'une étoile, on pensait que ça suffisait. Et ça ça traînait très longtemps, ça a perduré jusqu'à ce qu'on ait la capacité grâce au spatial d'aller voir les autres mondes planétaires. Et c'est vrai, on n'en prend pas tellement la mesure parce qu'on est en plein dans cette exploration spatiale, que pas si vieille que ça. Hein. Elle est de notre génération. On a vécu avec tous les, les pas de cette avancée de l'exploration spatiale. On a été voir les autres mondes planétaires. Et ce qui est extraordinaire, c'est que depuis qu'on y va, on s'aperçoit qu'il n'y a quasiment pas une propriété de la Terre qu'on trouve ailleurs. Et que ce qui frappe, c'est l'incroyable diversité des objets planétaires. Qu'est-ce qui fait que la Terre est devenue différente de Mars, qui elle-même est différente des autres? C'est pas que la Terre serait différente des autres qui seraient toutes les mêmes. C'est qu'il n'y en a pas deux pareils. Et donc, euh, Pareil, ça veut dire quoi? Eh c'est qu'il y en a où il y a de l'eau liquide à la surface, la Terre, il n'y en a nulle part ailleurs. L'atmosphère de la Terre est incroyablement différente de l'atmosphère des autres objets planétaires. Il y a du volcanisme ici qui n'a pas grand chose à voir avec le volcanisme ailleurs. Donc, plus on va dans ce qu'on appelle des propriétés de la Terre, dont on pense qu'elles sont fondamentales en particulier pour expliquer que la vie a pu euh, y être, euh, a pu évoluer, démarrer et évoluer sur Terre, plus on s'aperçoit que la somme de ces propriétés, c'est une somme de propriétés différentes d'un objet à l'autre. Et à nouveau, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'activité sur les autres planètes, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'atmosphère sur les autres planètes. Non, ça veut dire que les processus qui ont fabriqué ce qu'on considère être les propriétés d'un objet planétaire diffèrent de l'un à l'autre. Peut-être que ce qui est de plus important dans les dernières années, c'est ça, c'est cette observation que le système solaire est fait d'objets divers, c'est la diversité et non pas la pluralité des objets qui seraient identiques. Parce que la, plus, la pluralité des mondes, c'est quand même une très vieille affaire. Absolument, dirigé. mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on est encore, pour l'essentiel des gens, si vous posez la question, s'il y avait un public, on aurait posé la question, est-ce que vous croyez qu'il y a une pluralité des mondes, est-ce qu'il y a de la vie ailleurs La réponse est encore, pas unanime, mais à très grande majorité, oui, bien sûr. Et qu'est-ce qui fait que les gens pensent qu'il y a de la vie ailleurs C'est étonnant, parce qu'il n'y a aucune observation qui dit qu'il y en a de la vie ailleurs, de même qu'il n'y a d'ailleurs aucune observation qui dit le contraire. La réponse à cette question ce n'est pas encore du domaine de la science d'une vérification possible d'une validation elle est essentiellement d'ordre dogmatique. oui mais l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence absolument c'est vrai. Mais regardez, cette notion de pluralité des mondes, euh, dans l'Antiquité, comme on dit, euh, à juste titre, on la retrouve. Moi, je, je cite souvent, mais il n'y a pas que lui, bien sûr, Épicure, qui, a, dans ses fameuses lettres à Hérodote, a écrit un texte que tout le monde devrait lire, qui est absolument ahurissant, dans le IVe siècle avant Jésus-Christ. Hérodote, pas l'historien. Alors, ce n'est pas Hérodote l'historien, c'est euh, Hérodote, un de ses disciples. L'historien, c'était deux siècles avant. Bon, ils avaient le même nom, mais effectivement, ce n'est pas l'historien, c'est un de ses disciples à qui il écrit pour dire la chose suivante. Épicure considérait que l'univers était infini. C'est d'ailleurs extraordinaire de penser qu'alors qu'il ne voyait à l'œil nu que 1500 à 2000 objets, il avait une perception de l'infini qui n'était pas une perception expérimentale, mais une perception théorique de sa manière de concevoir le cosmos. Et il disait cette chose ahurissante, je trouve c'est que si l'univers est infini, on ne peut pas éviter qu'il y ait un nombre infini d'objets comme le nôtre, c'est-à-dire de monde habité, la Terre, et disait-il aussi un nombre égal. De mondes différents. C'est une très belle définition de l'infini. Et donc Une sorte d'infinité dans l'infini. Voilà, c'est-à-dire que s'il y a de l'infini, forcément, il y a en ce moment quelqu'un qui prononce la même phrase et qui regarde de la même manière, notre ami Étienne Klein. Et qui ressemble à Einstein. Euh, Étienne Klein <laughs> Non, lui. <du tout. rire> et ça, on le sait, c'était fortement critiqué. À l'époque, on avait le droit d'être hérétique hein, avec le polythéisme, donc ça n'a pas été combattu, ça a été critiqué pendant des siècles. Jusqu'à ce que, en Grèce en particulier, jusqu'à ce que les monothéismes, bien sûr, apportent une toute autre vision, puisque tout d'un coup, euh, la Terre a été créée, et si elle a été créée, elle a été créée unique, centrale, immobile. Et on le sait, il a fallu qu'un siècles pour que euh, cette idée-là euh, cesse de perdurer. Et elle a cessé de perdurer d'abord, on le sait bien, par Copernic, qui a changé la, la centralité du monde, puisque c'est devenu le Soleil et non plus la Terre. Mais j'aime à citer, bien sûr, non pas tant Copernic, qui n'a dont la révolution a été fondamentale mais qui n'a pas changé l'idée qu'il y a quand même une sphère, au-delà de la sphère des, fix, des fixes, un, un domaine réservé à Dieu et que euh, tout ce que l'on dit sur la capacité qu'il puisse y avoir par un Dieu unique, une création d'un monde unique, il a fallu que Giordano Bruno, puisque c'est de lui qu'il s'agit, qui est né juste quelques années après la publication de ce texte euh, séminal de Copernic, que lui avait publié que l'année de sa mort tellement c'était hérétique, euh, c'est Giordano Bruno, il, il rajoute un plan et il dit non seulement la Terre est banale comme l'a dit Copernic, mais le Soleil est banal. C'est-à-dire que le Soleil, et les étoiles sont de même nature. Quand on réalise ce qu'il a fallu pour euh, le concevoir, que ce, le Soleil est bien une étoile et qu'étoiles et Soleil sont de même nature, donc il banalise tout d'un coup le Soleil lui-même. Oui, et ça, tout d'un coup, c'est 1583. Ça, 1583, ce qui est ahurissant. Et ce, ce qui est ahurissant aussi, c'est que comme il était très copernicien, Prolongeant l'idée de Copernic, qu il y a une banalité de la Terre, c'est-à-dire qu qu'autour du Soleil, il y a des planètes. Il dit puisque toutes les étoiles sont des Soleils, eh bien autour de toutes les étoiles, il y a des planètes. Et lui, il a repris la notion d'infini pour l'univers. C'est ça qui est ahurissant, c'est que pour une raison similaire à Épicure, c'est-à-dire sans aucune preuve observationnelle, où la construction mentale qu'il se faisait de l'univers ne pouvait pas lui donner de limite. Et donc il dit si l'univers est infini, je reprends, sans le citer bien sûr, ce que disait Épicure, c'est-à-dire qu'il y a aussi une infinité de mondes comme le nôtre, et il réintroduit la notion de pluralité des mondes. Et donc le vivant ne serait pas limité à la Terre. Et voilà, la pluralité des mondes s'est réintroduite par cette chose-là, et quand on regarde en fait l'évolution de la physique depuis là, dans quatre siècles, je dirais que, en schématisant bien sûr, la physique pour l'essentiel a assis cette idée qu'un petit nombre de lois, quatre interactions fondamentales, suffisent à par déterminisme à comprendre l'ensemble de ce qui se passe dans l'univers, avec ce que je trouve un biais unificateur terrible où on veut tout ramener à un petit nombre de choses, souvent par binarité d'ailleurs. Et à partir du moment où on démontre qu'effectivement il n'y a qu'un petit nombre de lois et que les mêmes causes produisent les mêmes effets, eh bien on revient à la logique introduite par Giordano Bruno que les mêmes lois faisant les mêmes choses, eh bien ce qui a fait que la Terre est et devenu peuplé fait que probablement dans l'univers il y a aussi du vivant. Mais est-ce que c'est pas cette conception de la pluralité des mondes qui prévalait au moment où, où l'aventure spatiale a commencé ben Non seulement, euh, mais évidemment, euh, elle a prévalu jusqu'à l'ère du spatial et l'ère du spatial elle est démarrée avec entre autres l'idée que le spatial devait le conforter cette idée-là, c'est-à-dire asseoir cette idée-là. Les premières missions spatiales, euh, en particulier vers Mars, 1976, hein, c'est quand même pas de la préhistoire. Il faut bien voir que ces missions vikings étaient extraordinaires euh, de, de capacité, JPL, le grand laboratoire de euh, Pasadena en Floride, euh, est capable de faire des missions prodigieuses et ils ont envoyé deux engins de plus de 600 kilos chacun se poser à la surface de, de Mars pour célébrer le 200e anniversaire de la, la non pas la Constitution, mais la déclaration d'indépendance des, des États-Unis, hein, 4 juillet 1776-1976. Mais le but pour célébrer une telle mission, ce n'était pas de savoir s'il y a de la vie, parce que la vie, c'était quelque chose qui était admis par un consensus comme présent partout, avec de l'eau partout. Et donc, euh, les missions vikings, elles étaient faites non pas de temps pour aller vérifier qu'il y a de la vie, mais que pour étudier et caractériser le métabolisme de la vie martienne. Est-ce que sur Mars, ce sont des végétaux qui absorbent du gaz carbonique et fabriquent des sucres en recrachant de l'oxygène Ou est-ce que ce sont des mammifères qui absorbent de l'oxygène et, fabriquant de l'énergie, recrachent du gaz carbonique Trois des quatre expériences de Viking c'était ça caractériser le métabolisme de la vie martienne. Mais ça a créé de la déception parce qu'on n'a rien trouvé. Alors, on a trouvé des choses, mais rien de ce qu'on a trouvé, de ce qu'ils ont trouvé, ne, ne nécessitait de la vie pour être expliqué. Mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est que ça a été, le, je pense, le premier ébranlement de cette théorie de, ou de ce, de ce dogme, plus qu'une théorie de la pluralité des mondes. Euh, S'il y a de la vie partout, il y avait de bonnes raisons de penser que Mars était le meilleur des candidats. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, on pense que s'il a pu y avoir une évolution biologique précoce, c'est pas exclu que ce soit sur Mars. On va peut-être y revenir. C'est pour ça qu'on continue à travailler sur les affaires martiennes. Mais il y avait effectivement cette idée que sur Mars, on devrait dupliquer ce qu'on savait sur Terre. Ou en tout cas, peut-être même mieux, parce que Mars a gardé des vestiges de ce qui s'est passé très tôt dans son histoire, ce qui n'est pas le cas de la Terre, qui a été érodée suffisamment pour en avoir perdu le, le message. Et donc, l'idée d'aller sur Mars, c'était ça, et c'est toujours l'idée d'aller sur Mars. Donc, premier ébranlement incroyable, 1976. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'à l'époque, on s'est dit, ou ailleurs, enfin, on, la NASA s'est dit... Ou ailleurs dans le système solaire, peut-il y avoir de l'eau liquide Il y a toujours cette idée qu'il faut de l'eau pour la vie, mais dès qu'il y a de l'eau, il y a de la vie. Chose que l'on commence à, 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 non remet à, douter, en mais à remettre très sérieusement à cause, de, pour de bonnes raisons. Eh bien, il se trouve qu'en 1976-1977, vu au télescope, parce qu'on faisait encore beaucoup de planétologie au télescope, hein, le spatial est à ses débuts, le seul objet dans le système solaire qui pouvait permettre de penser qu'il y a de l'eau stable à la surface, aujourd'hui encore, c'est Titan, le plus gros des satellites de Saturne. Saturne, c'est dix fois plus loin du Soleil que n'est la Terre. Il y a cent fois moins d'énergie qui arrive. C'est un objet dont on pouvait penser qu'il serait extrêmement froid. Eh bien, beaucoup de scientifiques pour la NASA ont démontré que non, peut-être que non, parce que le seul élément qu'on pouvait identifier dans l'atmosphère de Titan, vu au télescope, c'était du méthane. On peut expliquer pourquoi. Il y a une le méthane absorbe l'infrarouge et quand on regarde en infrarouge le euh, Titan au télescope, on voit une bande d'absorption qui dit qu'il y a du méthane. C'est la seule chose que l'on voyait dans l'atmosphère de Titan. Donc les gens se sont dit c'est merveilleux. Il y a peut-être 99% de méthane. Certes, c'est plus loin, il y a moins d'énergie qui arrive, mais s'il y a un gaz à effet de serre comme le méthane qui bloque tout le rayonnement, on attendra un peu plus mais finalement ça chauffera, l'eau pourrait être à l'état liquide parce qu'on pourrait être au-dessus du 0°C. Et donc s'il y a de l'eau liquide dans le méthane et du carbone bingo, on a de l'eau et du carbone, il y a de du la vie. Et c'est ça qui était à l'origine de deux missions absolument incroyables qui s'appelaient avant Grand Tour et sont devenues les missions Voyager. Il fallait partir très vite pour arriver à faire vraiment le grand tour, passer par Jupiter, aller jusqu'à Saturne, ce qu'ils ont fait. Ils sont arrivés là-bas en 81, donc encore moins de la préhistoire. Et c'est incroyable ce qui s'est passé. C'est que au passage par Jupiter, ces missions ont fait des choses absolument incroyables. On pourra en reparler, mais ils ont mis en évidence des propriétés dans Jupiter et surtout à la surface des satellites découverts par Galilée et autour de Jupiter, qui ont été très importants d'ailleurs au XVIIe siècle. Eh bien, ils font des images extraordinaires qui démontrent une incroyable diversité dans ces quatre objets galiléens, Io, Europe, Ganymède et Callisto. Et on s'est dit, c'est fantastique, la caméra est merveilleuse. Ils arrivent deux ans après à Saturne. Image de Saturne extraordinaire, on trouve l'équivalent de la grande tache rouge de Jupiter, etc. Les anneaux fantastiques. On pointe sur Titan, rien on voit rien. C'est pas possible. Ça tombe en panne pile au moment. Il repointe la caméra sur Saturne, génial, ça remarche parce que il sur Titan, rien. Ils ont compris que c'est pas la caméra qui marchait pas, c'est qu'il y avait rien à voir parce qu'il y avait un brouillard à couper au couteau, on ne pouvait pas voir la surface de Titan et c'est parce qu'en fait sur Titan, ce qui domine dans l'atmosphère, c'est pas le méthane, il y a 1% de méthane et les 99% restants, c'est de l'azote moléculaire. Mais on sait que l'azote ne fait pas un gaz à effet de serre, il y en a autour de la Terre, c'est pas ça qui nous réchauffe. Et que... Il y a des missions spatiales qui peuvent être perturbées par des problèmes de météo planétaire. Voilà, exactement. En tout cas, ça permet de la comprendre quelquefois. Et on s'est aperçu qu'à la surface de Titan, il doit faire à peu près moins 200 degrés et qu'il n'y a pas d'eau liquide. Il y a peut-être des choses très intéressantes. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a des choses très intéressantes, mais qu'il n'y a certainement pas d'eau au sein duquel de la vie pourrait avoir évolué. Donc, c'était le deuxième grand ébranlement. Et de là, donc, le milieu des années 80. Il a fallu, en continuant le reste de l'exploration spatiale, arriver à cette constatation fondamentale qu'il fallait changer le paradigme de la pluralité des mondes par un autre, celui de la diversité des mondes. Avant de faire cette révolution, je vois que Léon est songeur, il a des choses à dire. Ah, J'ai beaucoup de choses à dire. Euh, je voudrais déjà commencer par dire euh, euh, bonjour à tous les absents qui ont bien voulu ne, ne pas se déplacer pour être avec nous aujourd'hui. Et ensuite, puisqu'on parle oui, de, de voyage dans l'univers, de découverte, moi je voudrais commencer avec Blaise Sandrars, qui est un romancier, poète du début du XXe siècle, et grand baroudeur, qui a fait beaucoup de descriptions de ses différentes aventures plus ou moins vraies. Mais ici, je pense qu'on a un récit qu'on peut qualifier d'authentique, puisqu'il raconte son départ, son voyage hors de la planète Terre, et ce qu'il a pu y découvrir. De l'itinéraire pour se rendre dans les parages du ciel. Après avoir levé l'ancre, nous quittâmes la Terre pour entrer dans cet océan de lumière solaire qu'est notre atmosphère respirable. Ayant atteint ses extrêmes limites, nous nous engageâmes résolument dans les rapides de la région de l'ozone. Nous allions si vite que nous ne pouvions estimer la vitesse acquise et qu'il nous semblait rester immobile. La Terre était invisible dans notre sillage et devant nous, les astres n'existaient plus. Enfin, nous fîmes la grande chute dans le vide éclaboussée par une écume d'étoiles. Nous louvoyâmes devant la grande ours durant sept siècles d'horloge, passant souvent sous des arcs-en-ciel noirs. Puis, ayant doublé le cap d'Orion, nous piquâmes droit devant nous dans la direction du sud qui est le nord du ciel. Nous pêchions des êtres interstellaires qui nous ébahissaient tant ils nous semblaient étranges, mais dont la chair exquise nous régalait. Et était un précieux adjuvant à l'ordinaire de l'équipage. Tout le monde était gai, bien portant. À l'exemple de mes hommes, je secouais l'espèce d'hébétement qui s'était emparé de moi en voyant réussir ce départ inespéré. Je donnais ordre de hisser notre grand pavillon d'or aux armes de la passion humaine et je m'approchais d'un hublot. Voici ce que j'ai vu en sortant de mon esprit en chair de poule. Derrière la voie lactée, il y a une anguille ou espèce de serpent du ciel. Elle se nourrit des soleils qui grouillent dans la vase de la profondeur. Son œil est comme le trèfle à quatre feuilles de l'espace, et au bout de sa queue, comme des grelots, des mondes en éruption marquent le temps. De chaque écaille de sa peau, quand elle pèle, tombe une comète. Et la digestion de cet être-là est la lumière. Elle est prise. Comme un ver de terre dans une racine, dans le pied d'une éponge qu'elle ronge et qui la cache presque en entier. Chaque pore de cette éponge respire et éjeint comme une génération humaine. Cette éponge est éponge des ténèbres, touffe des langues, orgue des origines. Comme un cerveau dans un crâne, elle se moule dans la première forme. Elle est l'échantillon primaire le plus simple, le plus élémentaire d'une famille d'êtres à rebours, inqualifiables, et inadmissible aux antipodes de l'unité. Merci Léon. Jean-Pierre Bébrin, une réaction à propos de cette histoire d'anguille ou d'espèce de serpent du ciel. Non. non. Alors vous avez parlé de. Trop vous, avez parlé, vous avez parlé de Mars, de Titan, de Jupiter. Euh, Est-ce qu'on peut parler un peu de la Lune Parce qu'il y a une face cachée de la Lune qui ne ressemble pas à la face qui est visible. Est-ce qu'on a pu avoir des informations qui expliquent comment euh, elle est apparue en même temps que la Terre Et est-ce que c'est ça... oui, des alors... chose à propos de l'unicité de, de, de la Terre dont on parle Cette histoire de la Lune, c'est est évident que dès que l'homme a acquis la capacité dans l'espace, il a voulu euh, s'affranchir de la gravité terrestre en allant au plus près, et ça a été bien sûr d'abord la Lune. Et c'est vrai que la Lune, euh, la première fois qu'on l'a observée... On peut dire intégralement, si en passant derrière les soviétiques ont fait ça pour célébrer le deuxième anniversaire du Sputnik. Vous voyez, ça a été rapide en 59 octobre 59. Et tout d'un coup, on s'est aperçu que la lune de l'autre côté ne ressemble pas à la lune qui nous fait face. Il n'y a pas ce qu'on appelle des mers, des zones sombres. C'est entièrement cratérisé. Il a fallu bien sûr réfléchir pourquoi est-ce que la Lune est dissymétrique. On a bien compris qu'il doit y avoir un effet, un effet de marée là-dedans et effectivement, il y a probablement simplement, si je puis dire, un déplacement du centre de gravité de la lave qui a remonté pour donner naissance aux mers de notre côté. Mais ça n'a pas été peut-être le plus important dans les affaires lunaires. Le plus important, c'est que... Les Soviétiques faisant toutes les grandes premières, y compris le 12 avril 61 à la Gagarine, il fallait que les États-Unis, pour, on était en pleine guerre froide, pour reconquérir le, le leadership, comme on dit, géostratégique, fassent quelque chose. C'est le fameux discours de, de Kennedy disant qu'avant la fin de la décennie, il y aurait un Américain sur la Lune. Ce qui était un pari fou quand on en réalise, puisqu'il n'y avait pas la capacité de le faire. Il a fallu faire du Silicon Valley, faire de la microélectronique, tout ça. C'était peut-être le plus extraordinaire des programmes civils spatiaux jamais faits. Et ils y sont parvenus avec des déboires, comme on sait, très importants. Mais il y a eu une épopée très intéressante. C'est qu'il a fallu tester beaucoup de choses avant d'arriver sur la Lune en 69, hein, je vous rappelle, juillet 69. Et en décembre 68, alors que les Américains étaient prêts à envoyer ce qui s'était Apollo 8 à l'époque, c'était pour tester autour de la Terre tous les systèmes orbitaux, mais il n'y avait pas encore le LEM pour se poser à la surface de la Lune. Mais ils ont décidé d'envoyer trois astronautes faire le tour de la Terre avec ça pour tester tout avant d'arriver sur la Lune. Et tout d'un coup, voilà que la CIA annonce que les Soviétiques, parce qu'ils viennent d'envoyer une sonde qui a fait un survol rapproché de la Lune, sont prêts à envoyer des gens sur la Lune. Et là, ils se sont dit non. On ne va pas se faire avoir sur ce coup-là aussi. Ils ont décidé que l'équipage d'Apollo 8, qui devait faire le tour de la Terre, allait non pas faire le tour de la Terre, mais allait partir vers la Lune, faire le tour de la Lune et revenir. Ils se sont dit au moins, on aurait été les premiers à faire cet exploit-là, c'est-à-dire d'envoyer des gens tout près de la Lune. Ils l'ont fait. Et ça a été pour Noël 68. Et là, il s'est pas, passé, je trouve, quelque chose de tout à fait fondamental qu'on ne réalise peut-être pas. C'est que pour la première fois, des êtres humains ont quitté suffisamment la Terre, en quittant non seulement la gravité, mais ils sont éloignés pour voir la Terre ronde. On n'avait jamais vu la Terre ronde, on la voyait un petit peu euh, incurvée en orbite autour de la Terre, mais jamais ronde. Quand vous ouvrez un bouquin de cosmogonie jusqu'aux années 68, on démontrait que la Terre était ronde. Là, tout d'un coup, la Terre, on la démontrait plus ronde, elle l'était, on, on la le voyait. Montrait. Et quand on voit cette image, en particulier du fameux lever de terre devant la Lune au premier plan, on voit qu'elle est bleue alors que la Lune est noire. Et donc on peut se dire, tout le monde aurait pu réaliser à ce moment-là que la Terre elle est différente du reste du monde. Non, parce que la Lune est noire, mais c'est peut-être le seul. Personne à l'époque n'a vraiment pris la mesure que la Terre était différente des autres planètes parce que cette image ne le donne pas. Le résultat de cette exploration, c'était de dire, vous voyez. La Terre est bien comme toutes les autres, c'est une boule qui flotte dans l'espace comme toutes les autres boules parce que sur le fond de l'univers, c'est une petite boule son. Donc c'est une observation qui a conduit à la banaliser de cette façon. Voilà, c'était en plein dans le moment où tout le monde pensait que la Terre était une planète banale et ça a été dans ce sens-là. Et en fait, le grand renversement avec la Lune, c'était que grâce à Apollo et les Apollo jusqu'à Apollo 17 en 72, puis les missions soviétiques Luna qui ont prélevé automatiquement des échantillons, on a eu plus plus de 380 kilos d'échantillons dans nos laboratoires. Et tout d'un coup, l'analyse des échantillons a changé la face du monde et la face de la Terre. Pourquoi Parce qu'il y avait trois hypothèses à l'époque sur la formation de la Lune. On analyse les échantillons, on s'aperçoit qu'aucune de ces hypothèses ne colle avec ce qu'on mesure. Aucune. Il a fallu en inventer une autre. Ce sont des scientifiques américains les premiers qui ont été suivis par d'autres. Qui ont proposé quelque chose Est-ce qu'ils ont proposé parce qu'il fallait rendre compte malgré tout que les échantillons lunaires avaient quelque chose de terrestre dedans Donc, il fallait que la Terre ait contribué à la formation de la Lune. Et ils ont proposé cette hypothèse, qui a été ensuite vérifiée et validée par pas mal d'autres me mesures, que la Terre, tout dans son histoire, a été, a subi l'impact d'un objet très grand qu'on a appelé Theia, qui était très gros parce que les simulations ont montré que cet objet-là, il doit avoir la taille de Mars aujourd'hui. C'est plus que le dixième de la propre masse de la Terre. Et c'est la première fois qu'on imaginait que dans le système solaire primordial, il y avait beaucoup de collisions qui ont pu faire que des protoplanètes, comme la, la proto-Terre aient pu subir l'impact d'autres très gros objets. C'était le début d'une incroyable aventure parce qu'on a réalisé qu'effectivement, cette, euh, cette dynamique qui a fait qu'il y a eu beaucoup d'impact a dû être fondamentale pour façonner le système solaire ensuite. Et effectivement, Mais en a réalisé, et ça a été entre autres théorisé par euh, un astronome français extraordinairement brillant, qui s'appelle Jacques Lascar, l'observateur de Paris, une dizaine d'années plus tard, qui a proposé l'idée suivante, dont je crois qu'elle est euh, peut-être l'une des plus importantes qui aura contribué à, à comprendre ce qui fait l'évolution des mondes planétaires. C'est que si la Terre a été, en éjectant du matériau, à l'origine de la Lune qui s'est réaccrétée dans le disque de matière qui a eu tout autour, cette Lune a eu un impact très important sur l'évolution de la Terre. Et parmi ces impacts, si je puis dire, il y a l'idée que tout le monde sait que la Terre tourne sur elle-même en 24 heures autour d'un axe qui est incliné par rapport au plan que fait la Terre autour du Soleil, le plan de l'écliptique, de 23 degrés, la fameuse latitude des tropiques. Et on se demande mais pourquoi ces 23 degrés et est-ce que est, pourquoi ça reste à 23 degrés? Il est bien clair que ce 23 degrés, ben, il dépend de, de, de l'histoire de collision de la Terre à cette époque-là. Mais pourquoi ça reste 23 degrés Et ben Parce qu'il y a la Lune. La Lune stabilise cette obliquité, cet angle-là. L'angle angle continue à tourner autour de lui-même comme une toupie, mais en maintenant cet angle sommet constant à 23 degrés. Donc il y a bien des petites variations climatiques, c'est ça qui est à l'origine, en particulier des glaciations, mais c'est quelques degrés seulement. Quelques degrés, on sait que les glaciations, sur des milliers d'années, ça fait des changements. Mais comme c'est sur des milliers d'années, on peut s'y adapter. Eh bien, s'il n'y avait pas la Lune, cette obliquité, cet angle-là, changerait en permanence sur des échelles qui sont courtes par rapport à l'âge de la Terre, quelques millions d'années. On imagine que si la direction des pôles passait dans la direction du Soleil, ça ferait des changements climatiques importants, euh, les océans pourraient se vaporiser ou à l'inverse, entièrement se, se geler. Euh, la stabilité climatique, qui si est fondamentale pour le vivant... Mais Bébring, ça veut dire que si la Lune n'était pas exactement comme elle est, la vie sur Terre serait impossible. En tout cas, elle serait certainement différente et peut-être même que son origine n'aurait pas été possible. On n'aurait peut-être pas eu l'ensemble de ce qui a permis à un moment donné à cette chose d'arriver. Alors pourquoi c'est important cette affaire C'est que c'est pas n'importe quel impact qui est responsable de la formation de la Lune. C'est un impact dans des conditions très particulières, d'un rapport de masse entre le Theia et le Gaïa initial, l'angle d'impact, l'angle d'incidence, la composition de l'un et de l'autre. Bref, toute cette série de paramètres fait que si vous en changez l'un, eh vous changez l'ensemble de la suite de l'évolution. Et ça a fait partie des, in... -moi, des ingrédients qui ont montré que l'ensemble de l'évolution des objets planétaires était été fait d'une succession de processus qui chacun ont pris... Ce qu'on appelle des hasards, parce que vu de chez nous, la manière dont l'objet va arriver est d'ordre hasardeux, bien sûr. Si on connaît la dynamique du système solaire, c'est elle qui l'impose. Mais vu de la Terre, c'est le hasard qui fait que c'est arrivé comme ci plutôt que comme ça. C'est cette succession de phénomènes dans une contingence de propriétés qui a façonné l'évolution. Donc tout ce qui a eu lieu aurait pu ne pas avoir lieu. C'est ce qu'on appelle la contingence. Oui, ça ne veut pas dire que rien ne se serait passé. Il se Il y serait quand passé même des lois autre déterministes. Chose notamment les lois qui, qui pilotent la, les collisions des, des objectifs Voilà, c'est que les hasards vont fabriquer des événements qui, bien sûr, chacun rentre ensuite dans une logique d'évolution qui va être régie par des lois qui, elles, sont déterministes. Ça ne met pas en cause le fait que des lois fondamentales existent. Mais il va y avoir des phénomènes qui, eux, vont être par contingence diaboliquement euh, importants pour mais la est -ce suite. Il, de mais est-ce qu'il est établi, Jean-Pierre Mibrin, que la Terre, la Lune, toutes les planètes du système solaire, les astéroïdes, ont tous été formés au même moment, d'un même matériau, au même point de notre galaxie. Alors. est-ce qu'il y a encore des discussions Non, il y en a eu jusqu'à la porte des échantillons lunaires, puisqu'il y avait beaucoup de théories, dont l'une qui prétendait même que ce n'était pas un système, que les planètes pouvaient être formées par des processus discrets qui s'étaient pas, qui qui passés à différentes époques de l'évolution du temps. Non. Euh, quand on a eu les échantillons lunaires, grâce aux techniques mises, à, euh, mises en place pour analyser ces échantillons, on s'est aperçu qu'en appliquant les mêmes techniques à tous les échantillons qu'on a dans le système solaire, les astéroïdes vus à travers les météorites, les autres planètes, la Lune, etc., tous ont exactement le même âge, à quelques millions d'années près, qu'on peut expliquer. Donc tous proviennent de l'effondrement d'un même nuage dont on peut dater euh, cet effondrement qui est de 4,56 milliards Est-ce qu'on peut établir une chronologie entre les dates d'apparition des différents objets célestes qui composent le système solaire dès qu'on a accès à suffisamment de matériaux pour analyser précisément la décroissance radioactive de certains éléments oui on a le moment à la fois où le matériau d'origine s'est formé et le moment où il a pu ensuite se cristalliser et voir les différentes étapes qui ont jalonné son évolution donc la réponse oui c'est que on peut maintenant établir des chronologies dans l'évolution du système solaire donc si je comprends bien ce que vous dites Jean-Pierre Villin le dogme de la pluralité des mondes a commencé d'être bousculé quand on a compris qu'il était une victime collatérale de notre compréhension de la formation de la Lune. Oui, pour l'essentiel, toutes les classifications qu'on faisait en extrapolant au reste de l'univers ce qu'on connaissait de la Terre, en disant ce qu'on sait sur Terre est extrapolable, est exemplaire, eh bien ça tombe dès lors qu'on est capable de voir ailleurs ce qui se passe. Mais il y a quand même eu la découverte des exoplanètes, d'une première puis de milliers d'autres. Mais ça va exactement quand même la dans la don... même chose. Non seulement ça ne la change pas, mais ça plus exactement, ça la change dans le même sens. C'est vrai que quand vous regardez au cours du temps, beaucoup de gens ont postulé qu'autour des étoiles il y a des planètes. On l'a cité un petit peu déjà et au XVIIIe siècle, beaucoup de gens l'ont proposé, l'ont même théorisé. Vous avez dit vous-même qu'il y avait sans doute plus de planètes que d'étoiles. Voilà, mais c'était une idée jusqu'à ce qu'on puisse la valider. Et c'est vrai que la validation est quelque chose de tout à fait fondamental dans l'approche scientifique. Eh bien, cette validation, elle a effectivement été faite à un moment particulier, qui est 1995, par deux personnes, Meilleur et Kellos, qui ont eu le prix Nobel pour cela l'an dernier. C'était une découverte réellement importante de montrer qu'autour d'une étoile en particulier, la leur, celle qu'ils ont utilisée, il y avait des planètes qui tournaient. Et c'est vrai que depuis, on en a plusieurs milliers comme ça. Mais je pense que le plus important n'est peut-être pas là. Le plus important, enfin, on a tort de mettre de la hiérarchie dans l'importance des découvertes, mais montrer, valider le fait qu'il y a des planètes autour des étoiles, c'est très important. Mais le plus important, peut-être, à mon yeux, c'est qu'on s'est aperçu que ce que l'on croit être, devoir trouver, n'est pas du tout ce que l'on trouvait. On sent que notre système solaire n'est pas du tout reflété dans les systèmes que l'on trouve ailleurs. En particulier, on sait que dans notre système, il y a des planètes proches, qu'on appelle les planètes telluriques, les quatre. quatre. Euh, Mercure, Vénus, euh, Mars et la Terre. Enfin, la Terre et Mars, c'est s'éloignant du Soleil. Et puis les planètes géantes à partir de Jupiter. Et on a essayé de comprendre, et on a bien compris à vrai dire pourquoi les planètes géantes étaient loin. C'est que pour accréter du gaz, il faut qu'il y ait un gros noyau, pour avoir un gros noyau, il faut qu'il y ait de la glace. Et pour avoir de la glace, il faut être loin pour qu'il fasse froid. Donc on comprenait pourquoi les planètes géantes étaient loin, et les planètes internes étaient proches. Et tout d'un coup, la première même des planètes découvertes par euh, Meilleur et eh bien c'est une planète qui est quasiment de la taille de Jupiter, mais qui est dix fois plus proche de son étoile que Mercure ne l'est du Soleil. Il fait extraordinairement chaud. À l'endroit où cette planète a été découverte, on a, on a pu la voir parce qu'elle l'a modifiée par sa masse. Euh, la, la... Voilà, comme elle a une grande masse et qu'en plus elle tourne vite, on a pu vérifier d'une part qu'elle a un effet sur l'orbite même de l'étoile et un aspect répétitif avec une période telle qu'on a pu vérifier que ça soit effectivement répétitif. Donc elle était grosse, plus grosse que Jupiter. Mais toute proche. Non, elle était un peu moins grosse, mais enfin de l'ordre de la masse de Jupiter, mais très, très très proche, proche de l'étoile. où il faisait plus de 1000 degrés certainement parce que la thermodynamique est la même partout. Et on s'est dit, mais comment est-ce possible Il n'y a pas de glace. À cet endroit-là. Et tout d'un coup, on a réalisé qu'une idée qui avait été proposée longtemps avant par Goldreich et chez nous par André Barrich était vraie, à savoir qu'entre le moment où une planète se forme loin comme Jupiter, et ensuite, le moment où on l'observe, elle peut se déplacer. Il y a une migration. Ce n'est pas vrai que les objets restent là où ils sont. Déjà, l'idée de point Poincaré, de, du, du chaos, et c'est vraiment la théorie fondamentale qui explique tout ce qui se passe dans le système solaire. On est trop encore, nous-mêmes, convaincus qu'une fois qu'on a lancé le système, il reste, il perdure, égal à lui-même, c'est réglé comme du papier à musique. Non, tout le système évolue. Et en particulier, lorsque le système solaire s'est formé, les planètes géantes, parce qu'il y avait encore du gaz et des grains, eh bien, ils ont migré à l'intérieur. Et ce qui s'est passé, c'est une migration très particulière qui fait que la planète en question, qu'on vu meilleure et qu'elle elle est rentrée dans le système interne et elle y est restée. Mais dans le cas de notre système, c'est ça qui a été proposé en particulier par le groupe de Nice avec Alexandre Morbidelli à sa tête. Il y a d'autres explications possibles, mais elle est extraordinaire cette explication. Elle consiste à dire, et elle est validée par plusieurs observations autres, que Jupiter a bien aussi commencé à migrer. Il est rentré dans le système interne, mais à un moment donné, quand il était très proche, à peu près de là où est Mercure, euh, pardon, Mars aujourd'hui, une autre planète qui s'était formée plus loin, qui s'appelle Saturne, est rentrée dedans, et les deux sont rentrés en se bloquant l'une l'autre en résonance, comme on dit. Et c'est le rapport de masse très particulier entre Saturne et Jupiter qui fait qu'au lieu de continuer d'aller vers le Soleil, et à ce moment-là ils auraient nettoyé toute la cavité, on ne serait pas là du tout pour en parler, le rapport de est masse... En la fait Terre n'aurait pas pu rester à sa place elles n'auraient même pas été formées, probablement. Les deux sont repartis vers l'extérieur en laissant un disque très limité en taille, confiné au centre, eux-mêmes, ils étaient confinés, d'où sont nées les quatre planètes avec une distribution en taille, une distribution en place, qui est celle qu'on a aujourd'hui. Mais il suffit de changer un petit paramètre pour qu'on s'aperçoive que cette migration planétaire aurait donné tout à fait autre chose. Et c'est ça qu'on découvre dans l'univers aujourd'hui, c'est que la migration planétaire qui est un phénomène clé, il peut prendre une incroyable diversité de formes, et c'est elle qui rend compte de la diversité des systèmes qu'on observe. En vous écoutant rétrospectivement, j'ai l'impression qu'on l'a échappé belle quand même. On la gagne belle. <laughs> Léon Oui, alors maintenant que j'ai établi l'existence de l'anguille interstellaire, je vais peut-être revenir, euh, remettre un peu les pieds sur terre. Et justement, on l'a échappé belle. Et comme vous l'avez dit un peu au début, je suis aussi là pour aider à éclaircir les choses, peut-être simplifier. Euh, je voudrais revenir aux, aux fondamentaux, c'est-à-dire l'apparition de la vie sur terre, à l'aide de Raymond Queneau, qui dans son ouvrage Petite cosmogonie portative, retrace en vert, à sa façon, euh, l'histoire de la terre. Et donc ici, un passage où il parle notamment de l'apparition de la vie animale qui je pense devrait permettre à tout le monde d'y voir un peu plus clair. Jeunesse, ô oh, jeunesse, ô oh, terre encore inicole, dont les plis se chargeaient de volcans ulcérés, et les rides crevant de l'un à l'autre pôle propageaient les flegmons des laves mijotées. Quel bouillon de culture, un océan primaire, quel lava se piante, il paraît, Surchauffée la tiédasse bouillie en virus concoctés, en vir et contre tus, l'océan accouchait de merveilles de monts et d'algues diatomées, de grains albumineux, de spores de pleine boiteuses bactéries, rotifères grumeaux, poivres gélatineux, glavios à l'air de morve, millias de points vifs, larmes à l'air de larves, frétillants, bousculés de la neuve piscine, où barbotait la terre énorme. Et enfantine, un peu blette, pourtant déjà pomme praline, Pustulant du suc chaud de sa guerre intestine. Soudain, le duvet bruit, le limon se cisèle, soudain le duvet bruit, la terre se démène, le duvet dans le vent, lance ses postillons, la rousse ingurgitée, tout champignon qui sème, sème en sèche onanie et spore aux horizons, lichen, algues de terre et mousse des montagnes. Le manteau cohérent grimpe le long des flancs, sur le sol, ondulant vers le ciel, peu d'audace. La vague botanique avance, nez avant, le cheveu genre brosse et les pieds dans l'argile. Le noir, obscur et mou des poussées végétales, veut verdir et chanter. Il transperce l'écaille des tertres moins obscurs, moins mous, plus immobiles, et prépare les socs d'un labour agricole, assurément lointain. Car nul encore ne vole au-dessus du duvet, qui bruit, anisocèle, et nul encore ne vêle, et nul n'use ses ailes, car seul bruit le duvet qui chante et qui verdit sur la croûte incertaine, oscillante, attiédie. Quand la fleur brûlera les laves authentiques, quand les couleurs viendront injecter de leurs dons les membres écartés autour des génésions, quand sur la terre enfin la teinte aromatique apportera les tons inouïs des minéraux, quand le spectre odorant du luxe anthologique barbouillera joyeux pétales et pétaux, quand la palette idoine aux jeux herboristiques multipliera ses sons pour des corolles pures, une bête viendra poser ses pattes sèches sur le sexe parti des échos arc-en-ciel. Une bête, elle est là, gigotant dans le bleu, une bête, elle est là, elle saute et volette, une bête... Elle est là, molle et poussant ses yeux. Une bête, elle est là, fille de ses ancêtres. Une bête, elle est là, cassant ses origines. Une bête, elle est là transformant l'héritage. Une bête, elle est là, elle est neuve fontaine. Elle vient de l'abîme et sort de l'océan. Elle vient de la terre et sort des atmosphères tièdes pour déployer ses généalogies au-delà du gotha des classifications déjà tant derrière elle. Une bête est ici. Les fleurs, parfums des algues constellationnaires étalent la densité de leurs éclosions Tandis que l'animal se hisse anthropoère de l'atoll glavioteux aux organisations, tandis que l'animal se hisse myrmigène du crachat tremblotant aux quitinisations, une bête, elle est là. Le gazon fructifie. Il mûrit en lumière. Il mûrit en matière. D'une main ciselant les ondes picturales et de l'autre jetant vers de faibles hauteurs les possibles envols de chercheurs de tremplin. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Merci Léon Bonafé pour cette petite cosmogonie portative inventée par Raymond Conneau. Incroyable, hein? Prodigieux. Elle vient de la Terre et sort des atmosphères tièdes pour ouais. déployer ses généalogies au-delà du Gotha des classifications. C'est un peu ce que vous faites, Jean-Pierre Bibring. Oui, on travaille beaucoup sur cette notion de classification et d'éjecter un petit peu cette. Euh ce qui a été une tendance euh, peut-être un peu pesante d'essayer de classifier, d'unifier tout cela sans voir la diversité, ce qu'il y a dedans. Mais ce n'est pas ce que fait Queneau, puisque Queneau, au contraire, met une incroyable diversité, une émergence de propriétés nouvelles en mêlant, et c'est ça que je trouve extraordinaire, le végétal, l'animal, la bête et, euh, bref, l'unité de la nature. Mais alors revenons à nos moutons, si j'ose dire. Est-ce qu'on a le droit de penser que la Terre, comme Vénus ou Mars, avait au départ la même atmosphère c'est-à-dire enfin majoritairement du gaz carbonique. Et qu'est-ce qui fait que le gaz carbonique a disparu sur la Terre et... ah, Alors, euh, bon, on, a, on a toutes les raisons de penser qu'il y avait beaucoup de gaz carbonique, surtout parce qu'aujourd'hui, on voit la trace de la disparition quelque part du gaz carbonique. Et euh, il y a deux manières de voir la disparition du gaz carbonique, c'est que sur Vénus et sur Mars, il y a beaucoup de gaz carbonique et un petit peu d'azote et que sur Terre, il reste l'azote et il n'y a pas le gaz carbonique. On a compris pourquoi l'atmosphère est restée du point de vue de son azote et de tous les autres constituants, mais pas du point de vue du gaz carbonique. C'est que l'eau sur Terre, et c'est une propriété réellement de la Terre, d'avoir hébergé des océans qui sont stables et pérennes depuis quasiment qu'ils se sont formés, il y a plus de 4,4 milliards d'années peut-être, il y a toujours eu de l'eau liquide à la surface de la Terre, très vraisemblablement. Et une des propriétés de l'eau c'est qu'elle est capable, en présence de gaz carbonique, de faire que le gaz carbonique se dissout dedans. C'est pour ça qu'il y a de l'eau pétillante. Mais une fois qu'elle a dissous ce gaz carbonique, elle ionise. Et s'il y a des cations qui passent, en partie du calcium, ça le précipite sous forme d'un sel qu'on appelle des carbonates, le calcaire. Et tout le calcaire que vous avez sur Terre, de, des bouts de Provence euh, aux falaises que vous avez yeah, ici, ouais. c'est de là que ça vient. C'est le CO2, dès que vous avez, CO2 qui a été dissous. Absolument. Dès que le... vous avez du calcaire quelque part, et du marbre encore mieux, euh, c'est notre atmosphère primordiale qui s'est transformée, entre autres d'ailleurs, par la vie elle-même. par les qu'on a des trouvé qu a. des carbonates ailleurs sur d'autres planètes on en trouve, mais en conditions extraordinairement faibles, produites par un tout autre mécanisme. Sur Mars, par exemple, il y a quelques carbonates, mais ce n'est pas du tout le réservoir de gaz carbonique initial. Donc euh, oui, très vraisemblablement, il y avait du gaz carbonique très tôt dans l'évolution de la Terre. Mais, euh, par exemple, cette idée du gaz carbonique est très intéressante parce que ça montre que euh, l'atmosphère joue sur l'environnement et donc sur l'évolution même du vivant, mais il y a aussi une rétroaction, c'est le vivant lui-même qui a pu jouer sur l'atmosphère, entre autres, je vous dis, en précipitant une grande partie du gaz carbonique sous forme de carbonate par les coquilles de tout ce qui s'est accumulé au sol. Il y a d'autres raisons pour lesquelles le vivant a pu contribuer à l'atmosphère. Ce n'est pas le gaz carbonique, c'est l'oxygène. On n'a peut-être pas, peut pas le but de l'émission d'en parler, mais une grande partie de l'atmosphère d'oxygène que l'on respire provient, comme on le sait, de la transformation par des objets végétaux, du planton en surface, qui absorbe le gaz carbonique pour fabriquer du sucre pour sa propre évolution, de rejeter de l'oxygène. Et cet oxygène moléculaire, il a fallu deux milliards d'années pour qu'il soit à la concentration qu'il est aujourd'hui dans notre atmosphère. Et c'est grâce à cela que l'oxygène se transformant partiellement en ozone par le rayonnement solaire a permis d'absorber suffisamment cet ozone pour que la vie sorte des océans et arrive à partir sur les continents. Donc cette interaction entre ce qui se passe dans la biosphère, en particulier notre atmosphère, est tout à fait fondamentale. Mais maintenant, il faut répondre à la question posée la vie sur Terre est-elle unique alors, vous avez dit au début de la conquête spatiale, l'idée qui prévalait dans les milieux autorisés, comme on dit, c'était qu'il y avait une pluralité des mondes et de la vie à peu près partout. Et vous êtes en train d'expliquer que cette idée a été largement remise en cause. Alors que, médiatiquement, j'ai l'impression que la découverte des exoplanètes l'a plutôt renforcée. On dit, il y a beaucoup plus de planètes que d'étoiles. Donc, la probabilité qu'aucune exoplanète de ce type-là n'abrite de la vie, comme la nôtre ou une autre forme de vie, est très faible. Qu'est-ce que vous pouvez opposer à cet argument Alors, d'abord, on était d'accord sur le fait que la, le, le... ce dogme de la pluralité des mondes n'était pas seulement chez les personnes autorisées, mais c'était vraiment un dogme très largement, en tout cas dans nos sociétés, je vais dire, euh, euh, commun. Et c'est vrai que l'observation spatiale actuellement en particulier tente à le remplacer par celui de la diversité des mondes planétaires, pareil avec l'observation des exoplanètes, c'est tout aussi vrai qu'il faut du temps pour que ce genre de modification fondamentale des paradigmes percole dans toute la société, et on en est très très loin, c'est pour ça que je vous disais que si on demande encore aujourd'hui aux gens s'il y a de la vie ailleurs, encore aujourd'hui... Ce qui domine, c'est ce dogme qui n'a pas encore été transformé par une toute autre vérité scientifique. Ça prend du temps. Je ne suis pas inquiet sur le fait que. Mais est-ce que vous trouvez que les critères d'habitabilité, comme on les appelle, sont alors, pertinents ou pas Non, alors, Le fait qu'il y ait de va... l'eau, le fait que la distance par rapport à l'étoile ne soit pas trop grande ni trop faible, qu'il n'y ait pas trop de rayonnement cosmique. Non, -cosmiques. non je, je pense que ça ne l'est pas, mais. À nouveau, ce n'est pas parce qu'on n'a pas encore obtenu que cette idée de la diversité arrive à arroser tous les champs de l'activité scientifique que ce n'est pas une idée vraie. C'est en train d'arriver. Et vous dites que euh, la découverte des exoplanètes est contre cela parce qu'on accroît l'idée qu'il y a une infinité de possibles. Il y a plus de possibles qu'avant. Voilà. Euh, je ne pense pas. Il y a effectivement cette idée que des milliards de milliards, c'est l'infini dans le. Et pourtant, il y a des milliards d'êtres humains et personne ne met en cause que, quel que soit le nombre d'enfants que vous faites, on sera tous différents parce que le nombre de combinaisons de 23 chromosomes entre eux est incommensurablement plus grand. Donc, on voit bien que ce n'est pas simplement un problème de, de rationalité. On a ce paradigme ancien, il est tellement ancré dans des siècles de pression idéologique, je dirais, parce qu'il y avait de bonnes raisons aussi de fabriquer une chaîne de l'évolution où l'homme était au sommet, etc. Et que la vie était un passage nécessaire de l'évolution que c'est très difficile de s'en extraire. Donc, cette idée qu'il y a nécessairement de la vie ailleurs, beaucoup de gens, parce qu'à nouveau, il y a cette attirance dogmatique vers la démonstration, vont prendre l'exemple des exoplanètes pour essayer de le prendre à preuve et à témoin. Alors qu'en fait, elle va contre cela si, à nouveau, on prend en compte le fait que les exoplanètes démontrent, au contraire, la nécessité de penser la diversité. Alors cette question, est-ce qu'il y a de la vie ailleurs C'est un petit peu comme tout à l'heure, la question que vous posiez, est-ce qu'il y a une Terre ailleurs Et je vous avais dit à ce moment-là, c'est pas tant la réponse, une exotère, une exotère oui. Est-ce que ce n'est pas tant la réponse que la question qui change C'est que tout dépend de ce que vous recherchez en parlant de la Terre. Et si on parle de Terre comme un objet avec l'ensemble des propriétés qu'on y voit maintenant, on s'aperçoit bien que la contingence qui est entrée dans l'évolution de la Terre est telle que ça n'a pas de sens de penser qu'elle existe ailleurs. Donc il n'y a pas d'exotère dans ce sens-là. Pour la vie, je dirais, c'est la même chose. Non, la Terre n'a pas de clone, mais on peut imaginer une autre planète qui, sans être un clone de la Terre, contiennent des possibilités de vie à Alors non. voilà, c'est exactement... C'est là que je voulais en venir. La même question se pose, la même réalité se pose quand on dit est-ce qu'il y a de la vie ailleurs euh, C'est la question qui doit changer. Qu'est-ce que vous cherchez à travers le mot de vie Si la vie pour vous, ça s'oppose à la mort c'est-à-dire qu'il y a une fonction qui disparaît. Alors là, bien sûr, il y a énormément d'objets dont la fonction disparaît. Une étoile, c'est un réacteur nucléaire qui fabrique des éléments. Au bout d'un moment, il y aura plus de quoi les fabriquer. Et d'ailleurs, il y a des gens qui disent qu'une étoile vit et meurt, et que la mort de l'étoile, c'est quand elle ne peut plus travailler. Si c'est ça que vous appelez est-ce qu'il y a de la vie ailleurs, je n'ai pas de difficulté, et c'est un problème qui est de sémantique. Si on essaie de caractériser le vivant, parce que l'on appelle sur terre le vivant, c'est-à-dire quelque chose qui a un métabolisme qui a permis au cours d'une évolution façonnée par la sélection naturelle de Darwin à ce que nous sommes quelque part en ce qui concerne les mammifères. Alors, je pense que la réponse est un petit peu similaire à ce que je disais tout à l'heure pour les planètes, c'est qu'on va s'apercevoir que l'ensemble des contingences qui a fabriqué une évolution qui est passée comme on dit de l'inerte au vivant, puis du vivant par toutes les étapes de l'évolution. Ça, ça a très peu de chances d'exister de chance à cause, à nouveau, de la richesse de la contingence. Léon, est-ce qu'il existe, est qu existe des poètes qui ont tranché cette question de façon définitive Définitive bah, je, je, là, Oui, j'ai un, un petit Jules Laforgue qui est un, un poète du 19e siècle. Je sais pas... Que, ouais, il a l'air assez sûr de lui, euh, ah. en tout cas, quand il évoque... Mais il me semble euh, qu'il est assez d'accord avec Jean-Pierre Bibring. Je pense que ça peut se rejoindre sur un certain rapport à la solitude. <laughs> euh, voilà, parce que du, du coup, on va on va terminer avec la force sur une, une note assez optimiste, euh, <laughs> avec le sanglot universel. Ah, la terre n'est pas seule à hurler perdue. Depuis l'éternité, combien d'astres ont lui, qui sanglotaient, semés par l'immense étendue dont nul ne se souvient. Et combien aujourd'hui Tous, du même limon, sont pétris, tous sont frères, Et tous sont habités ou le seront un jour, Et comme nous, devant la vie et ses misères, Tous, désespérément, clament vers le ciel sourd. Les uns, globes fumants et tièdes, N'ont encore que les roseaux géants, dont les râles plaintifs, Durant les longues nuits, balayent l'air sonore, Sous le rude galop des souffles primitifs. D'autres ont les troupeaux de mammouths et les fauves, et c'est la faim, le rut et leurs égorgements. Et les faibles, le soir, du haut des grands pics chauves, vers la lune écarlate, ululent longuement. Sur d'autres, l'homme est né. Velu, grêle, il déloge ses aînés de l'abri des puissantes forêts. Un cadavre l'arrête. Il s'étonne, interroge. Dès lors monte la voix des grands misérérés. Et c'est la Terre. Ah. Nous sommes bien vieux, nous autres, Nous savons désormais que nul là-haut n'entend, Que l'univers n'a pas de cœur sinon les nôtres, Et toujours vers un cœur, nous sanglotons pourtant. Ceux enfin où Maya l'illusion est morte, Solitaires, muets, flagellés par les vents, Ils n'ont dans le vertige encore qui les emporte Que la rauque clameur de leurs vieux océans. Et tous ces archipels de globes éphémères, sans poussant leurs hymnes éperdus, Et nul témoin n'entend, seul au-dessus des sphères, Se croiser dans la nuit tous ces sanglots perdus. Et c'est toujours ainsi, sans but, sans espérance, La loi de l'univers, vaste et sombre complot, Se déroule sans fin, avec indifférence, Et c'est à tout jamais l'universel sanglot. Merci, je suis sans voix, Léon Bonafé. Nous savons désormais que nul là-haut n'entend, que l'univers n'a pas de cœur sinon les nôtres, et toujours vers un cœur, nous sanglotons pourtant. Vous êtes d'accord avec ça, Jean-Pierre Bibring Vous dites qu'il n'y a pas d'autre terre que la nôtre. Oui, mais cette idée qu'il faut sangloter parce que ce que nous sommes est unique. Euh, c'est l'inverse. Je ne serais pas d'accord. Oui, ce n'est pas d'ailleurs vraiment une question d'optimisme, ou de pessimisme, mais pourquoi on ne serait optimiste que parce qu'il y a des clones ailleurs Non, je pense qu'avoir euh, une réalité qui s'ouvre à nous, qui nous donne une plus grande responsabilité, peut-être par rapport à notre place sur Terre et notre rôle eux-mêmes euh, dans nos sociétés qui agissons sur la biosphère, je pense que c'est très optimiste, au contraire. Donc voilà, c'est merveilleux ce poème de La Forgue, mais pas sur la notion de sanglots. Mais est-ce que euh, votre quête ne, ne ressemble pas au. Au problème de Bertrand Russell, la théière de Russell, vous savez, il, il raconte que quelqu'un lui raconte qu'il existe une théière qui circule dans l'espace au-delà de Mars. Mmh. Et euh, évidemment, lui, il ne, pas, il ne peut pas prouver qu'une telle théière n'existe pas. Et pourtant, il est sûr qu'elle n'existe pas. Et donc, il y a des vérités qu'on n'arrivera jamais à prouver parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Bien sûr, euh, il ne s'agit pas du tout de. Mais c'est pas que rien n'est possible non plus. C'est pas qu'il n'y a pas de découvertes scientifiques qui avancent. Non, je pense que parmi les grandes questions qui s'ouvrent, qui sont nouvelles maintenant sur cette évolution vers le vivant, pas tant l'évolution du vivant qui a déjà été tranchée quelque part par Darwin, l'évolution vers le vivant. Est-ce que toute évolution aboutit nécessairement à un moment donné à un processus de sélection naturelle de la matière carbonée et c'est ça la grande question, qui est bien sûr un sujet de recherche encore. Je ne vais pas du tout dire qu'on a beaucoup avancé là-dedans. Mais je crois que ce qu'on découvre de l'importance de la contingence sur l'évolution des planètes tente à montrer qu'actuellement, le matériau primordial dont on a dit tout à l'heure que Rosetta et Philae nous ont appris beaucoup de choses, mis dans un environnement très particulier qui était celui de la terre de l'époque où c'est pas moment qu'il y avait de l'eau, mais il y avait de l'eau plus un tas d'ingrédients qui étaient très particuliers ont permis une évolution particulière d'autres auraient permis d'autres évolutions et la question est de savoir dans quelle mesure ces autres évolutions, vous pouvez les baptiser de vivantes et je pense que ce que l'on considère général comme caractéristique du vivant n'a pas de raison de se retrouver dans ces autres évolutions Merci Jean-Pierre Bébrine, j'ai une devinette pour vous quelle est, la loi, quelle est la loi vitale régnant sur la vie <laughs> J'attends votre réponse. Et la dire. gravitation universelle, je dis ça non pas parce que c'est vrai, mais parce que c'est l'anagramme. <laughs> la gravitation universelle, ça donne la loi, vit loi vitale régnant sur la vie. Et Merci je vous recommande beaucoup. pour finir la lecture du livre de Nicolas Martin, euh, le producteur de la méthode scientifique et livre écrit avec Mathieu Lefrançois qui s'intitule L'espace avec une préface de Carlo Rovelli. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein. Merci euh, Jean-Pierre Mébring d'avoir euh, accepté notre invitation devant un public si nombreux. Avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique, j'ai beaucoup de monde à remercier. Pour euh, Radio France, Pierre Bornard, Olivia Branger, Antoine Viossa. Et pour le théâtre de la ville, toute l'équipe de Voitec Noiret, que je remercie euh, chaleureusement. Sans oublier Delphine Lemaire, notre réalisatrice. Tout de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez... Olivia Gelsberg pour en français dans le texte.